Bonjour les choupies, contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager la Little Box que j'ai reçue hier, un peu tardivement. C'est donc la double box de juillet-août. Voilà, donc on va découvrir ensemble. Tout d'abord, j'ai ce produit donc de chez Kérastase. C'est donc un soin pour cheveux desséchés et très sensibles. C'est un masque. C'est ça, à rincer, oui. Donc du coup, vu que je paye le petit supplément, c'est le petit plus en fait de la box avec ce supplément. Voilà. Donc contente, vu que vous connaissez mon amour pour les produits pour cheveux. Alors, ensuite, on a une belle petite carte. C'est marqué Osgore. Donc, ces belles adresses de la team Albertine à Osgore. Donc, My Little Box pour juillet-août a fait une box avec la collaboration d'Albertine. Donc, il y a des petites choses écrites dessus. C'est plutôt sympa. Osgore, c'est une belle région. Donc, je valide. Alors, dans cette box de juillet-août, vous avez donc deux trousses. Une rayée jaune et une multicolore. C'est donc marqué My Little Box avec Albertine. Et ces deux trousses sont attachées par des pressions. Donc, on va commencer par celle-ci. Oh, c'est plein, plein à craquer. Alors, je vais piocher comme ça vient. Donc là, vous avez une petite boîte. Coquillages et crustacés. Éponge Conjac naturel. Votre éponge Conjac My Little Box peut s'utiliser quotidiennement. Rincez-la à l'eau chaude après chaque usage, puis laissez-la sécher. Elle peut se conserver jusqu'à 3 mois après votre première utilisation. Eh bien, écoutez, je suis ravie d'avoir ce produit puisque, bah, honnêtement, j'en avais jamais utilisé. Donc, contente. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop. Dans une jolie petite boîte. Ça se présente comme ça. Donc, il y a un petit fil pour le suspendre. Pour la suspendre. Elle est en forme de coquillage. Elle est verte. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous dirai ce que j'en pense dès que je l'aurai utilisée. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aime, je vais aimer, mais on va essayer ça. Ensuite, ceci. Alors, délacez le peigne qui démêle, les nœuds et les soucis. Passez vos mèches salées entre ses dents très sans crainte. Il démêle tous les cheveux sans les mâchonner. Avec lui, dites allô, aloha au wavy de retour sur la plage. Sa matière naturelle en bois de bambou. Respecte les tréfonds de vos cheveux océaniques. Alors, donc, c'est un peigne en bambou. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Je vais défaire la boîte. Tant pis. Oh, super, j'en avais jamais eu. Franchement, je suis ravie. Pas mal. Ouais, contente. Et on reste toujours dans les produits tendance naturelle, vu que c'est du bambou. Donc, je continue. Vous avez ce produit de la marque Ritual. Ça, je connais cette marque. C'est une marque que j'aime bien. Donc, c'est The Ritual of Karma. Donc, ça, c'est un lait pour le corps. Ah, ça sent bon aussi celui-là. J'avais la gamme vert foncé aussi. J'ai eu la gamme rouge. Franchement, ouais, ça, je valide. J'aime beaucoup. Ensuite, ah, bah alors cette marque, j'adore.
Donc, c'est la marque Garancia, c'est la Diabolique Glaçon. J'avais déjà la Diabolique Tomate que j'adore. Alors là, c'est une crème de soin cristalline. Non, pas de soin, une crème soie cristalline, hydro-énergisante, repulpante, anti-pollution, prébiotique. Eh bien, ça, j'ai hâte de tester. De toute façon, Garancia, ouais, c'est une marque que j'affectionne et que j'ai déjà testée. Ensuite, ce flacon, donc c'est un 250 ml, c'est donc un shampoing hydratant à l'acide hyaluronique et aloé et aloès. Je sens pas grand-chose comme ça. C'est léger comme odeur, mais ça sent bon. C'est subtil. Apivita, la marque. Donc ça aussi, je suis contente. Je sais pas ce qu'ils avaient marqué sur le... Non, il n'y avait rien stipulé. Alors, ça c'est la marque My Little Box. C'est donc un spray. Donc c'est une brume lactée après soleil. Ah ouais, cool, 100 ml. Ouais, ça aussi, je valide. Pareil, c'est très léger, très subtil l'odeur. C'est plutôt pas mal. J'aime bien. Ensuite, ceci. Donc, c'est donc de la marque Bar Minérale. Stretch and Late. C'est un mascara enrichi au sérum. Alors, doté, alors c'est marqué. Doté de cils naturellement plus longs sans retomber. C'est vegan, gluten-free et tri-nut-free. Alors donc, c'est un tout petit mascara. Je sais pas si c'est waterproof. Se présente comme ça. La brosse silicone. Oh là, j'en fous partout. Non, c'est pas spécifié. Je pense pas. Ça a pas l'air d'être waterproof, on verra. Mais un petit format comme ça, c'est plutôt sympa pour les vacances. Donc, vous voyez, il y a quand même de quoi mettre. Il y a des petites poches là, comme ça. Les deux pressions pour l'accrocher ou pas à l'autre. Pochette. Franchement, là, je valide la première. Elle est plutôt super. Ensuite, je perds mes bretelles. La colorée. Donc. Ah bah oui, si j'avais commencé sur celle-là, peut-être que j'aurais eu plus d'explications. Alors. Ce dépliant est un peu vague et pourtant il est plein de surprises. La double box de l'été vient d'arriver chez vous. Portée par le Ressac, son contenu vous éclabousse. Je sais plus lire. Attendez de voir les surprises supplémentaires qu'on a planquées ici, des trésors enfouis avec les grains de sable. L'acolyte de l'été, My Little Box et Albertine, comme je vous disais. Alors, Albertine, c'est une marque de maillot de bain, il me semble, hein. Et ça, donc, d'après ce que j'avais vu, c'est les premiers chapitres d'un livre qui s'appelle, d'un roman qui s'appelle Agnès Martin Lugan. Nos résiliences, c'est donc un roman à voir. C'est un extrait gratuit. Ben, pourquoi pas? Et puis si j'accroche, j'achèterai le roman. À voir. Ensuite, une petite carte encore. Ah oui, ça c'est sur le roman. Je vais le mettre dans le roman. Ça fait une petite image marque-page. Ensuite,
Alors, une eau thermale apaisante, anti-irritante de chez Aven. C'est donc un 50 ml, ben ça pour mettre dans le sac à main, dans le sac de plage. Des fois, moi qui ai les yeux fragiles, des fois le produit solaire, si j'en ai mis trop près des yeux, ça me picote. Donc ça peut être sympa. Je valide. On n'en a jamais assez pour l'été. Ensuite, ah bah alors là, je valide à 3000%, un petit flacon de l'huile Nuxe, l'huile prodigieuse de chez Nuxe. C'est un contenant de 10 ml que j'avais déjà eu. Ça, bah pour glisser dans la trousse, au lieu de prendre le gros flacon de 100 ml ou 50 ml, histoire de, voilà, si vous partez un week-end, bah ça c'est méga validé. Ça vous permet de découvrir en plus. Et bah moi je la connais, donc j'ai pas besoin de redécouvrir. Mais ça, pour emmener partout, c'est bien. Ensuite, ce méga flacon de la marque Kirines. Ah, j'en ai eu un dans une autre box. Mais par contre, c'était un 10-50 et là, c'est un 10-30. Donc, c'est un lait protecteur, détoxifiant et sublimateur. Caresse soleil suprême. Un 10-30, 200 ml, comme je disais. Bah franchement, ouais, j'ai déjà commencé à tester. Bah c'est la même couleur. Franchement, je valide. Ils sont super bons. Alors lundi 50, j'ai commencé à le prendre. Franchement, super, 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 parce que à suivre celui-ci, 30, c'est vraiment super. C'est vraiment, en plus 200 ml, vraiment top. Alors ensuite, une petite enveloppe comme ceci. C'est joli, hein? Alors dans My Little Box, c'est toujours méga bien présenté. Vraiment. Alors. Oh, si j'arrive à la sortir. Alors, ils disent, donc, regardez, c'est donc, voilà, une chaîne comme ça, avec des petites boules. Du coup, vous avez les attaches pour mettre des lunettes ou lunettes de soleil au bout. Et vous avez également deux mousquetons, parce que vous pouvez les accrocher ensemble et le porter en collier. C'est super, je suis ravie. Bon, je ne suis pas forcément une adepte des chaînes de lunettes, puisque déjà en soi, j'aime pas les lunettes. Mais l'été, je suis obligée de mettre des lunettes de soleil. Donc, pourquoi pas? Bon, c'est un peu mémérisant, je trouve, de mettre une chaîne aux lunettes. Mais par contre, le porter en collier, ouais, certainement. Donc ça, je valide. La petite présentation, c'est super mignon. De toute façon, My Little Box, pour ça, sont très, 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 très bien. Et en cadeau également, vous avez un très joli pareo ou foulard. C'est selon. Vous voyez? Regardez. Bon, pas comme ça, mais ça peut être porté aussi en foulard, hein, pourquoi pas. Mais en pareo aussi. Les couleurs sont très jolies. C'est les couleurs du thème de la box. Franchement, c'est super joli. Donc, bah pareil, voilà, spacieuse. Par contre, il n'y a pas de petite pochette dans celle-là. En tout cas, je valide. Parce que franchement, vous pouvez mettre un côté produit d'hygiène, un côté produit de maquillage. Franchement, ouais, double trousse de toilette comme ça, franchement, je ne connaissais pas, mais je valide la chose. Je suis ravie, je suis vraiment ravie. J'avais très hâte de recevoir cette box. Elle me plaît, les trousses sont très jolies, vraiment, je suis très très contente. Bon, les produits, certains, je les connaissais, mais je suis ravie. Vraiment, cette box m'enchante. Petite parenthèse, je voulais vous montrer donc les boucles d'oreilles portées que j'avais acheté dans mon haul AliExpress. Franchement, très mignonne. Et comme je vous avais expliqué,
C'était également pour porter avec ce collier qui vient également d'AliExpress dans une autre vidéo. Voilà, ça aussi, ça en fait partie dans une des vidéos AliExpress. Donc ce petit bracelet, comme je vous l'avais montré dans une précédente vidéo, ça également. Et là, ce bracelet-là vient de ma box bijoux que j'aime beaucoup. Et également, j'ai une barrette, je ne sais pas si vous allez bien la voir comme ça, que j'avais eue dans une box, My Little Box, un lot de deux belles barrettes. Je ne sais pas si on voit comme ça. C'est une feuille. J'espère que vous allez voir. Voilà. J'ai mis le gloss pêche que j'ai eu dans une autre box. C'était la blissime. Bon, si on voit que c'est pêche, mais c'est subtil. Également, couleur pêche. C'est un produit d'AliExpress. Je pourrais vous mettre le lien. J'ai un mascara noir d'une de mes box américaines qui est de la marque, je ne me rappelle plus, je vous mettrai en barre d'infos. Et donc l'highlighter de chez AliExpress qui est super joli, celui que dans une précédente vidéo qui est présenté avec un ange sur le dessus. Donc voilà. Bon, un petit peu bronzé, ma foi, ça fait plaisir. J'ai donc fait mes soins hier à mes cheveux, parce que comme j'ai beaucoup dans ma piscine, avec le soleil, vu que j'ai les cheveux colorés et frisés, mi-frisés, mi-crépus, j'utilise donc le combo de chez Christophe Robin, qui est vraiment, vraiment de très bons produits. Donc voilà, je suis contente d'avoir partagé cette box, My Little Box de juillet-août avec vous. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, partagez et à très bientôt les choupis. Bye bye!